Le lycée Saint-Exupéry de Terrasson, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, a organisé une clean walk. Le vendredi 22 septembre 2023, les élèves ont récolté des déchets à la plaine des Jeux, des déchets qui ont ensuite été triés avec les explications de Vincent Delmont du CIRTOM de Brive. Vous avez bien travaillé, hein ? Non, mais là, il n'y a plus de photos. Dites donc, ils sont pratiquement pleins, les sacs. Donc, à présent, on va faire la différence entre ce qui va rester dans le sac vert et ce qui va aller dans le bac jaune. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que tous les déchets ne vont pas au même endroit. Voilà. Y a des déchets qui vont dans le bac jaune, il y a des déchets qui vont dans la poubelle marron, il y a des déchets qui vont dans la colonne bleue, il y a des déchets qui vont dans la colonne verte, il y a des déchets qui vont en déchetterie. Voilà. Alors on va essayer de voir où vont les déchets qui sont dans les sacs verts. Il y a des mouchoirs en papier. Les mouchoirs en papier, vous les mettriez où ? Non, les mouchoirs en papier ne vont pas dans le bac jaune. Où vont les mouchoirs en papier ? Oui, la poubelle marron, la poubelle ordures ménagères. Tout à fait, avec le papier sopalin. D'accord ? Voilà. On met surtout pas le papier mouchoir dans la colonne bleue, parce que c'est pas du papier sur lequel on écrit, c'est pas du papier qu'on lit. D'accord ? Donc ça, ok. Ça reste dans le sac vert. Très bien. On va mettre ça là. La bouteille, vous la mettriez où ? Jaune, on est d'accord. Moi c'est vous qui faites, je ne l'ai pas en face aussi. Les canettes, regardez ces canettes, il y a un sac plein de canettes. Canette jaune. Bac jaune ? Oui, bac jaune, si, si. Les emballages en métal, en plastique, en carton vont dans le bac jaune. Tout à fait. Ça, les sachets de biscuits, on les met où ? Dans le jaune. On est d'accord, ça va dans les bacs jaunes, tout à fait. C'est du tabac, on le met où ? Il n'y a rien à l'intérieur, on a vidé l'emballage. Jaune aussi, tout à fait. Des gobelets en carton. Jaune. On est d'accord, bac jaune. Alors, ensuite. Il y a du vert. Dedans. On met les bouchons des bouteilles en verre dans la poubelle jaune. Si vous avez un pot de confiture en verre, si vous avez un peu de confiture en verre, vous avez un couvercle en métal, vous mettez le pot en verre dans la colonne verte et vous mettez le couvercle en métal dans le bac jaune. D'accord ? Et l'opération nettoyage s'est terminée par la traditionnelle photo souvenir. Nickel.